Solidaire d'abord sur fréquence 7, différente et pas pareille, hein, toujours. Hein. Donc cette émission qui va nous permettre d'essayer de parler des conditions d'accueil des jeunes immigrés, avec à la fois toi, Hervé Dumrap, et Martine, qui a été famille d'accueil. Mais avant, je vais vous faire une petite chronique rapide, je vais essayer de faire rapide, parce que sinon je vais avoir les gros yeux de Denis. Et donc, sur les 15 jours passés, on a quand même Claude Guéant qui est en prison. Hein. Je ne sais pas si ça apparaîtra sur les chaînes mainstream, mais bon, Claude Guéant est en prison. Comme quoi, on est quand même dans un état de droit, au moins pour les sous-fifres. On a Pierre Rabhi qui est décédé. Moi, je n'ai pas d'autres commentaires à faire que ce que vous ne trouverez pas sur les chaînes mainstream. Allez voir le système Pierre Rabhi sur Internet. C'est une enquête du Monde Diplo. Il disait la solution, ce sont les femmes. Mais il disait aussi il ne faudrait pas exalter l'égalité. Donc on sent que le « en même temps » était présent là aussi, comme chez Macron, qui, en parlant de MeToo, peut nous dire « il faut libérer la parole ». Mais il ne faudrait pas que ça tourne à l'inquisition, quand même. On en est loin, hein, qu'il se rassure. Dans les manifs sur la santé du 4 et du 7 décembre, j'ai retenu un mot d'ordre. Il y en a ras-le-bol de ces guignols qui ferment nos usines, nos hôpitaux et nos écoles. La Nouvelle-Calédonie vient de trancher sur l'indépendance. 44% seulement de participation. Et Macron dit bravo, ouais, bingo, ému par le choix de 96% pour le non à l'indépendance. Oui, mais 44% de votants seulement. Et la commission de contrôle du scrutin nous parle de sincérité du scrutin. Bon, je crois vraiment que là, il faut que vous alliez voter à la présidentielle, parce que sinon, vous voyez ce qu'ils font de l'abstention quand même. Hein. Souvenez-vous que le ministre Le Cornu, alors qu'il est appelé à l'aide par les Guadeloupéens pour qu'ils aient du travail, pour qu'ils aient de l'eau, pour qu'ils aient un niveau de vie un petit peu plus normal, leur dit un peu d'autonomie. Voilà. Alors, dernière petite chose, je voudrais vous parler de M. Bolloré. Bolloré qui va peut-être partir à la retraite là parce que ça fait 200 ans que sa famille est aux manettes. Alors pour fêter le 200e anniversaire, il va peut-être partir à la retraite. Mais avant, notre petit Trump, parce que Bolloré c'est notre petit Trump, il gagne quand même 10 000 euros par jour, excusez du peu, hein, ce monsieur, en ayant 80% de l'activité du groupe et des bénéfices de son groupe qui sont générés par 42 ports en Afrique, et par des plantations d'huile de palme. Alors, il a choisi d'envoyer un employé, Monsieur Z, comme candidat à la présidence, et celui-ci veut rejeter l'immigration hors des frontières. Alors bon, ça interpelle quand même, parce qu'il fait son blé en Afrique, et en même temps, il refuse de leur laisser les miettes. Une main sur la Bible, l'autre tenant une croix sur son cœur, il donne aux petites sœurs des pauvres. Cherchez l'erreur. Son candidat est pour préserver la civilisation face aux musulmans. Alors, on sent le hiatus est là, parce que, en plus d'être un historien approximatif qui mélange De Gaulle et Pétain, je ne sais pas comment il arrive à faire ça, mais il est très fort. Il est proche du travail famille-patrie et oublie que la Révolution française voulait abolir les privilèges. Privilèges de M. Bolloré, par exemple, qui va prendre sa retraite en léguant ses entreprises à ses enfants, sa fortune et son temps d'entreprise est là depuis 200 ans.
Il oublie que la Révolution française voulait abolir les privilèges, et il oublie liberté, égalité, fraternité dans le pays des droits de l'homme. Décidément, on est en pleine confusion, et il oublie l'héritage du siècle des Lumières. Il ne faudrait pas tirer le rideau trop vite. Allez voter, allez voter. Sinon, le grand remplacement de la confusion pourrait gagner au détriment de notre histoire, celle de l'humanité. Voilà, alors, aujourd'hui, on a deux invités, justement, qui vont nous parler de ces jeunes émigrés. Le MRAP et Martine. Alors, qui commence ? Alors, je veux bien commencer. En fait, en lien avec l'actualité, on a été sollicité, on a été amené, en tant que MRAP, à réagir face à une actualité qui nous faisait craindre une moins bonne, enfin, ou une pire prise en charge de jeunes mineurs dont le département a la charge, puisque je vous rappelle quand même que la France, pour l'instant, a l'obligation. C'est pas que la France, hein, c'est heureusement qu'il y a des normes européennes et mondiales. Tout mineur qui arrive en France, étranger en particulier, a droit à la protection. Donc il y a un certain nombre de ces mineurs qui nous arrivent tous, ça je le rappelle, parce que c'est démentir comme certains propos. Tous ces jeunes ne viennent pas de gaieté de cœur. Tous ces jeunes ont un parcours migratoire, tel qu'on le rappelle à chaque fois qu'on passe à cette émission, qui est terrible. Et pour ceux qui ont pu parvenir jusqu'à notre territoire, c'est un autre combat qui commence. Alors, oui. Pour ceux, et on va commencer par ceux qui ont été pris en charge, donc qui sont pris en charge structurellement, donc qui bénéficient d'un accompagnement qui va leur permettre de s'intégrer, de se former, d'aller vers la voie de l'intégration pour laquelle, dans leur immense majorité, ils s'y emploient avec force. Donc le souci était que les structures d'accueil, donc des associations qui ont l'agrément, qui répondent à des appels d'offres, et qui, on doit le souligner, sur nos territoires ardéchois, le font très bien. Le font très très bien, sauf qu'elles sont soumises à des appels d'offres. Et bien évidemment, alors là, ça va permettre aussi de couper l'herbe sous le pied sur des idées reçues, et colportées par les extrêmes, hein, tels qu'on a pu le dénoncer lors de la dernière campagne électorale. Donc ces jeunes, donc si on prend en charge les associations pour leur hébergement, leur nourriture, pour leur accompagnement, touchent la royale somme de 50 euros par jour. Ces associations, il y a un financement d'État et un financement associatif. C'est le financement, en fait, du conseil départemental, oui. Qui, en fonction du nombre de jeunes qu'ils acceptent de recevoir dans ce dispositif d'aide sociale à l'enfance, donc l'accompagnement se fait par des associations agréées, mais qui sont soumises à des appels d'offres. Donc là, à titre de comparaison, et simplement pour donner des chiffres qui doivent être parlants, ces accompagnements sur l'Ardèche, il y a 6 ans, les associations recevaient par enfant hébergé une allocation de 110 euros par jour. Qui inclut tout, hein, accompagnement social, nourriture, hébergement. Aujourd'hui, le coût était abaissé à 50 euros. Alors, contrairement, et pour rester sur les chiffres, à des chiffres qu'on a vus apparaître dans la campagne électorale et qu'on va certainement voir refleurir dans la nouvelle campagne électorale, chose qu'on a dénoncée, certains tracts parlaient que ça coûtait à la France de 600 à 800 euros par jour par enfant mineur. Donc ce qui est complètement faux, et on peut le démontrer, et on le démontrera. Oui. Alors, et à titre comparatif, alors, c'est peut-être, nous, ça nous apparaît comme une discrimination. Pour un jeune mineur français, cette fois, qui dispose aussi de droits pour être accompagné,
Là, on en est à une échelle de somme de 210 à 220 euros. Et alors, pour un jeune Français, il y a des structures aussi donc, d'accueil pour... Généralement, c'est les mêmes, oui. Après, c'est des dispositifs particuliers. D'accord. Donc, j'en reviens sur le sujet donc, d'actualité. Un centre d'hébergement, donc une association qui était gérée par l'association Le Phare, à qui on a annoncé au personnel que, suite à la au nouvel appel d'offres, l'association n'avait pas été retenue, donc elle ne pouvait plus procéder à l'accompagnement de 26 mineurs. Et la grosse inquiétude, c'était de dire, oui, mais ces mineurs qui sont tous scolarisés, ou en centre d'apprentissage, qui suivent tous une formation, et on était dans l'incertitude complète de savoir, demain, le 31 décembre, quelle structure allait les reprendre, dans quelles conditions, et si on n'allait pas les déménager à nouveau. Parce que ça, c'est le SAMI. Ça s'appelle le SAMI, donc voilà, c'est un des services gérés par l'association Le Phare, sur Villeneuve de Berre. Et qui n'arrive pas à s'en sortir, en fait. Mais parce qu'à force de demander du moins 10 ans, là où pour 50 euros par jour, on pouvait avoir un éducateur spécialisé qui s'occupait du 5 ou 6 jeunes, aujourd'hui, le même éducateur spécialisé va devoir s'occuper de 10 jeunes. À partir d'un certain moment, c'est plus gérable. Malgré la bonne volonté et malgré l'humanisme réel de ces éducateurs spécialisés. Donc pour la structure, ça devient de plus en plus difficile de tenir l'équilibre et surtout de pouvoir assumer une prestation qui reste de qualité. Donc c'est ça l'enjeu, c'est-à-dire une baisse des coûts, une mise en concurrence qui nous rappelle quand même d'autres mises en concurrence sur le marché, qu'ils soient financiers ou... Alors, il peut y avoir accueil dans des groupes comme le SAMI, mais il peut y avoir aussi des familles d'accueil. Donc toi, Martine, en fait, tu t'es retrouvé à plusieurs occasions à accueillir ces jeunes. Oui, j'ai accueilli 3 jeunes, un Bengalais, un jeune Africain qui vient du Mali et un jeune qui vient de Côte d'Ivoire, un Ivoirien. Donc, et ça, en tant que famille d'accueil, de l'aide sociale en enfance. Il y a quasiment plus de familles d'accueil. Elles finissent le contrat quand elles ont un jeune, elles finissent le contrat avec ce jeune, elles l'accompagnent jusqu'à 18 ans. Mais il y a plus de jeunes, à part s'ils arrivent très très jeunes, genre 10, 12 ans. Un jeune qui arriverait à 12 ans pourrait encore être amené plutôt vers une famille d'accueil. Mais sinon, ils sont plutôt dirigés vers Pluriel ou des centres. Pour une histoire de coût, certainement aussi, ça revient moins cher. Tu peux nous en parler un petit peu? Ils avaient quel âge, ces jeunes, quand tu les as accueillis, toi? Mamadou avait 16 ans et Adama avait 15 ans. Oui. Et Mamadou a 19 ans maintenant et Adama va avoir 18 ans très bientôt. Donc pour eux, ça s'est bien passé. Ils ont pu. C'est vrai que l'intégration est superbe en général. C'est vraiment des jeunes qui en veulent, qui sont courageux, qui sont volontaires, qui sont très respectueux. Même si, et forcément, il y a des difficultés. Déjà des difficultés de langage, des difficultés donc en lien de communication tout simplement, et puis aussi des difficultés en lien avec des cultures qui sont différentes. Donc souvent des petits heurts dans le cadre de la famille, il y a des petits heurts parfois, des petites pressions, mais ils ont un tel respect parallèlement, un tel respect et une telle évolution, parce qu'ils évoluent très vite, que c'est pas un problème et qu'au contraire c'est même enrichissant pour nous en fait, hein. C'est même enrichissant pour nous. Je t'ai entendu en parler un petit peu l'autre jour quand on... avant qu'on prépare vraiment cette émission, et tu en parlais d'une façon presque affectueuse en fait. C'est-à-dire que pour toi, il y a eu des relations importantes qui se sont nouées. Oui, bien sûr. Ils étaient encore là ce week-end, parce que je suis à la retraite, donc logiquement, je devrais avoir coupé les ponts, mais on ne coupe pas les ponts avec ces jeunes-là. Hein. Donc oui, ils étaient là ce week-end, ils viendront passer Noël aussi à la maison. Ils viennent passer Noël. Oui, ils viennent passer Noël. Donc oui, le lien reste. Hein. Ce sont des jeunes très très attachants. Et puis ils ont l'Africain, il a une vision de la famille très différente de la nôtre, une famille élargie. Ouais.
Une toute petite pointe sur quelque chose que tu disais. Tu parlais de quand que tu leur as dit que tu étais féministe et eux, ça leur paraissait curieux. Alors, on s'est un petit peu battu sur certaines choses, évidemment. Mon côté féminisme, mon côté écolo, l'écologie, n'est-ce pas, quoi. Ça fait partie justement du processus d'intégration et d'évolution de chacun d'ailleurs, hein, parce que moi j'ai mis aussi de l'eau dans mon vin. Hein. C'est forcément, oui, il y a les petites batailles. D'accord. Bon. Alors, moi, je voudrais peut-être réagir, élargir ou approfondir sur un des thèmes qui est surtout ces écueils. C'est ce que je disais au début de mon propos. Après les parcours migratoires que je ne vais pas redécrire. La protection que doit assurer la France à ces jeunes mineurs passe par un premier examen. C'est-à-dire, êtes-vous vraiment mineur? Alors là aussi, on en entend tous les jours, c'est forcément, y compris, on le voit écrit sur des tracts. Ils sont systématiquement, ils mentent, c'est une combine, ils sont tous majeurs, et pour pouvoir avoir une place au chaud, au frais, la grande patrie, la France, ils mentent. Alors effectivement, peut-être pour une infime minorité d'entre eux, on fait subir à l'ensemble. C'est ce qu'on appelle une évaluation. A priori, malgré la suspicion, on leur accorde au moins une évaluation. Un entretien d'évaluation qui va durer une heure et demie, et duquel va découler un verdict. Alors, le verdict, il va être là en fonction d'un curseur. Quand il y a de la place, bon, on va le croire plus facilement. Mais quand il n'y a plus de place dans le foyer, systématiquement, on le réfute en tant que mineur, parce qu'il est trop grand, il s'exprime plus comme un majeur, il est très évasif sur son parcours, enfin tout est bon sur une évaluation d'une heure et demie, qui est tout sauf très objective. Ce qui fait qu'un certain nombre de ces personnes qui se présentent, mineurs pour l'essentiel, vont être rejetés parce qu'on leur dit monsieur, madame, enfin, c'est vrai que sur l'Ardèche, c'est surtout des jeunes masculins qui nous arrivent. Non. Donc on leur remet un joli courrier comme quoi ils ont été évalués mineurs et dans les 48 heures, donc ce qui contredit d'ailleurs complètement l'accompagnement de base qui devrait durer au minimum une semaine. Donc souvent, 48 heures après, on leur dit « Désolé, mais vous n'êtes pas mineur, donc vous avez le droit de déposer un recours, mais la direction, c'est la sortie. » Donc là, il y a un nombre de plus en plus fréquent. Hein, on a actuellement, donc nous, en tant que MRAP d'Aubenas, ça fait quelques années qu'on suit ce type de situation, et là, on se retrouve dans une politique de non-accueil. Bien que ce jeune ait la possibilité de former un recours auprès du tribunal pour enfants, oui, le recours va prendre du temps. La procédure, d'ailleurs, bon, c'est des recours, ça se monte, enfin, il faut, avec la barrière de la langue, etc. etc. En moyenne, et pour faire bref, sur l'Ardèche, il faut compter environ 6 mois avant que l'audience puisse se traduire, puisse être faite. C'est que pendant ces 6 mois, c'est la solidarité, les bénévoles, un accompagnement, un hébergement par des familles, sans agrément sauf que celui de notre cœur, qui fait qu'on sollicite régulièrement des bénévoles pour donner du sens au droit. C'est-à-dire, seul un juge pourra définir si un enfant est mineur ou pas. En sachant que quand ils ont les papiers, ça leur arrive. On réfute généralement ces papiers en partant du préjugé qu'ils sont faux. Voilà. Tout ce qui vient d'Afrique, c'est faux. Voilà. La suspicion va jusqu'à l'hébergeur, hein. C'est ça que tu disais. Quelqu'un qui peut se retrouver au tribunal pour faux ou assistance à complicité. Alors ça, c'est une. Voilà, c'est ce que j'ai constaté. Alors, c'est une. Ça se passe au puits, voilà. Donc où
où là c'était une famille d'enseignants d'ailleurs, donc qui hébergeait statutairement un jeune mineur. Alors lui avait bien été reconnu mineur, mais au moment de sa majorité, la préfecture n'a pas voulu lui délivrer un titre de séjour, en particulier parce qu'il aurait présenté des papiers faux. Et aujourd'hui, ça va au-delà, malgré la mobilisation, les milliers de signatures, les multiples rassemblements, la préfecture ne baisse pas, et même a donné l'ordre de convoquer et de perquisitionner la famille qui aujourd'hui se retrouve sous le coup donc d'une plainte pour assistance et utilisation de faux. Enfin voilà, c'est la solidarité. Alors, je vous rassure, sur l'Ardèche, ça se passe mieux. Là, on est sur la cas de figure. Voilà, donner une chance à un jeune qui, pour des raisons X ou Y, n'a pas été reconnu mineur. Nous, on n'a pas à juger en tant que personne s'il l'est ou pas. Si nous le dit, on le croit. Mais au final, c'est l'accompagner jusqu'au juge. Et c'est le juge qui, en son âme et conscience, va définir s'il doit être pris en charge par l'aide sociale à l'enfance ou pas. Donc certains dossiers n'aboutissent pas. Là, on a été vraiment royalement ému quand, il y a 2 mois ça, quand un jeune malien, Samba, a été reconnu mineur par la juge. Et il a été reconnu de l'âge de 14 ans et demi. Mmh. Voilà. Donc évalué 18 ans et plus, dans les faits, la juge l'a reconnu 14 ans et demi. C'est encore une plus grande joie, puisque dès lors qu'ils ont été reconnus mineurs et qu'ils sont arrivés en France avant l'âge de 15 ans, ça leur donne pratiquement le sésame, la carte de séjour, quand ils ont 18 ans. D'accord. Alors Martine, toi, tu peux nous parler un tout petit peu de ces jeunes que tu as accueillis? Qu'est-ce qu'ils deviennent? Qu'est-ce qu'ils font des études à Lyon? Mamadou a fait un CAP à l'ANAS et un apprentissage en cuisine. Et Anama travaille à la SATP, donc SATP, comment on appelle ça déjà, je ne sais plus le nom, Travaux publics, oui. SATP à Aubenas. Donc lui aussi en apprentissage. Donc il a fait un CAP en apprentissage de 2 ans, et là maintenant il fait un BEP en apprentissage, un bac pro, quoi. Ils s'accrochent, ils sont très 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 volontaires. C'est assez important. Un BEP en même temps qu'il travaille? Oui. Oui, en apprentissage. Il a d'abord fait le CAP en 2 ans en apprentissage, ouais. Et là maintenant il fait le... Je ne sais pas si c'est bac pro ou BEP, je crois que c'est BEP plutôt, en apprentissage aussi. D'accord. Mais toujours dans le secteur des travaux publics. Mmh. Avec un bon patron, je dirais, qui l'a vraiment pris. Et parfois, les gars, les patrons, ont parfois du mal à s'engager, mais quand ils s'engagent, ils les accompagnent vraiment bien. Voilà, c'est... Moi, j'ai un tout petit commentaire d'une personne du SAMI qui n'a pas pu venir aujourd'hui et qui m'a dit elle voulait quand même témoigner du fait que ces jeunes sont extrêmement volontaires, extrêmement corrects, extrêmement. Et tu disais toi-même qu'ils nous reviennent moins cher en fait. Exactement, merci de me tendre la perche, j'aurais presque oublié de le dire. Oui, quand on nous fait part que. C'est une plaie pour la France parce qu'ils nous coûtent cher. En plus, ils sont tous délinquants, des criminels. Les amalgames sont vite. Les amalgames. D'autres, heureusement, d'autres forces plus posées, je veux dire, mettent autrement l'accent. Non seulement c'est une chance, mais c'est une richesse. Comme ça vient d'être témoigné, la plupart de ces jeunes vont aboutir à la fin de leur parcours avec une volonté, une intelligence, une force qui, pour une immense majorité d'entre eux, vont les conduire à être productifs alors qu'ils nous ont coûté pas grand-chose. Les 50 euros par jour qui vont durer 2 ans ou 3 ans, ça n'a rien à voir avec le coût d'un enfant français dont l'État aura la charge de 0 à 18 ans. Mmh. Voilà, c'est dans ce cadre-là, il faut aussi relativiser
les choses. Oui. Et comme je pense qu'on est bientôt à la fin de l'émission et que je m'étais promis de faire une annonce rapide, puisque l'actualité... Sur l'événement de la cantine. Voilà, donc le samedi, donc samedi prochain, le samedi 18 décembre, donc une semaine avant Noël, donc on vous souhaite bonne fête. Ce sera aussi l'occasion, donc, avec un partenariat, pardon, qu'on mène avec la cantine populaire d'Aubenas. Donc on fait un événement un peu spécial, comme tous les samedis midi, donc repas partagé à partir de midi. À la cantine. À la cantine, oui, oui, oui. Et qui sera prolongé par des échanges. Donc dans le cadre de la journée internationale des migrants, c'est cette manière, qu'on a voulu célébrer cet événement, parce que bien évidemment, le MRAP, il sera dans toutes ses composantes, c'est-à-dire les personnes qui accompagnent et les personnes que nous accompagnons, qu'on appelle migrants, réfugiés. D'accord. Voilà, donc c'est une occasion aussi peut-être pour poursuivre cet échange. On le souhaite vivement. Donc je rappelle, samedi à partir de midi, à la cantine populaire. Samedi 18. Voilà, samedi 18. Bon, moi je remercie Denis parce qu'on a monté cette émission ensemble. Hein. Oui, il n'a pas beaucoup parlé, mais bon, voilà. Bonne fête. À bientôt. Merci à vous deux, Martine et Hervé. À bientôt. Moi, je voudrais ajouter, tu as parlé beaucoup de vote, et moi, j'appelle vraiment les gens à voter avec le cœur pour tous ces jeunes. Un vote large et massif au premier tour. Déchaînez-vous. À bientôt. Au revoir. Au revoir.